Hi, bitches! That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo qui, on peut le dire cette fois-ci s'il vous plaît, est un peu spéciale. Je me suis assise confortablement, c'est ma première... Non, c'est pas... Je dis n'importe quoi comme d'habitude. C'est une de mes premières vidéos facecam dans mon nouvel appartement, donc j'espère que tout va vous plaire. Je viens vous parler du sujet qui a fait flamber la toile ces dernières semaines. Pratiquement en casse. 80% de mes DM sont à propos de ce sujet-là. Mes indirects sur Twitter sont à propos de ce sujet-là. Mes commentaires sur mes photos sont à propos de ce sujet-là. On vient parler de ma perte de poids, de mon changement physique, de mon changement de style de vie, de comment j'évolue de ce que j'étais il y a 6-7 mois à ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous en parler un peu, je vais vous expliquer déjà mon background et ensuite je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant le confinement, qu'est-ce qui a déclenché cette perte de poids assez... En fait, je me dévalorise énormément, donc là je vais dire assez impressionnante parce que pour moi c'est pas impressionnant, mais bref, donc je vais être gênée pendant toute la vidéo parce que encore une fois c'est un sujet qui est un peu entre gros guillemets sensible parce que bah faut faire attention à comment on en parle. J'ai pas envie d'aller trop vite, j'ai pas envie de me précipiter, c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps avant de faire une vidéo sur ça. J'aurais pu la faire au déconfinement en mai et j'ai voulu attendre vraiment de bien voir comment ça se passait avant d'en parler, d'acheter la charrue avant les bœufs. Je vais vous parler de comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, mes conseils et comment je suis devenue une sportive de haut niveau. Let's go! Pour vous replanter le décor, en mars 2020, quelques semaines avant le confinement, j'étais... Non, je pense que mon pic c'était vraiment janvier. Mais en mars, j'étais quand même à un bon pic de mon poids. Attention à tout ce que je vais dire. Prendre du poids, perdre du poids, c'est subjectif. Ça peut être positif comme négatif. Il y a des personnes qui veulent absolument prendre du poids parce que c'est bon pour eux et qu'ils en ont besoin. Il y a des personnes qui veulent perdre du poids. C'est pas parce que tu prends du poids que tu deviens une moins bonne personne. C'est pas parce que tu perds du poids que tu deviens une meilleure personne. Moi je parle de ce que j'ai, de mon ressenti, de mon aspect physique, comment je me ressentais à l'intérieur avec par rapport à ma confiance en moi et tout. Le poids ne définit pas votre qualité en tant que belle personne, ça ne veut rien dire. Voilà, j'étais à un pic de mon poids, je ne sais pas combien de kilos je pesais parce que je ne me pesais plus depuis au moins 2 ans. Donc je n'ai aucune idée de en réalité combien de kilos j'ai perdu parce que je me pesais pas et je fuyais la balance à tout prix. J'ai toujours été un peu... J'ai eu des bonnes joues. J'avais eu une grande période de fitness et de fit girl à la sortie du bac, donc quand j'avais 18-19 ans. Et puis depuis, au fur et à mesure, je me suis un peu laissé aller entre guillemets. J'ai toujours fait du sport, pas forcément très régulièrement, mais j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours eu des périodes où je faisais attention à ce que je mangeais. Mais à côté, je fais beaucoup la fête, je fais beaucoup d'excès. J'ai des moments où je fais pas du tout attention à ce que je mange, de façon vraiment too much quoi. Et du coup, j'ai pris un peu de poids. Je me stabilisais un peu au-dessus de comment j'aurais aimé être, mais du coup j'étais quand même stable sur ça, j'arrivais pas à perdre mais je faisais pas trop d'efforts parce que ça m'intéressait pas particulièrement, je me sentais bien quoi. Et puis je suis partie en Erasmus en septembre 2019 et là ça a été un enchaînement de catastrophes. En gros j'ai pris, je sais même pas combien vous dire, je pense que j'ai dû prendre 10 kilos en Erasmus. On mangeait énormément, on se faisait plaisir. Mais à un stade où c'était même plus du plaisir parce que limite j'étais lassée de manger autant de nourriture grasse. Voilà. Donc c'était une opulence de bouffe et en plus on sortait les lundis, mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir. Donc en gros c'était l'hécatombe au niveau de l'alcool et tout, des calories dans l'alcool comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur ma relation avec l'alcool. Je me suis rendu compte pendant le confinement que c'était très très scandaleux ce qui se passait dans un verre d'alcool. Niveau sucre, niveau calories, niveau tout ça, c'était catastrophique. Et on s'en empifferait, des bières. Red Bull, vodka, toute la semaine. Donc pendant 5 mois, ça a été la fête du slip. Je m'en rendais pas compte que je grossissais, je m'en suis pas du tout rendu compte. En fait voilà, moi j'ai une technique qui est la technique de l'autruche. Dans toute ma vie, je pratique l'autruche. Donc mon animal totem, c'est l'autruche. Quand il y a un truc qui me plaît pas, je mets la tête dans le sable et comme ça je vois pas le problème. Donc je fais ça avec mes impôts, je fais ça avec mes devoirs, voilà, je fais ça avec plein de trucs. Et bah là j'ai fait ça avec mon apparence physique. En gros j'étais plus du tout musclée, je me plaisais plus. Mais j'évitais cette conversation avec moi-même en gros. Je me regardais plus. Bah il arrive un moment où je me suis dit quand même là ma vieille... En février, là t'as abusé. En fait c'est pas que j'étais en... Je pense pas que j'étais en mauvaise santé, quoique ça commençait vraiment si j'avais pas eu un déclic. Je dormais pas beaucoup, je faisais pas de sport, donc je prenais pas soin de mon intérieur. Et puis physiquement je me regardais pas, genre je mettais un voile transparent pour pas me voir. J'ai toujours eu confiance en moi, mais à ce moment là je me suis dit là franchement il y a un truc qui va pas. Mon apparence physique, je me reconnais plus dans cette apparence physique là. Je me sens beaucoup moins à l'aise, je me cachais dans mes sweats tout le temps et tout. Enfin bref, je me sentais plus bien. Je me suis dit il faut faire quelque chose. Sauf que le il faut faire quelque chose, on se le dit très souvent dans sa vie.
mais on passe très rarement à l'acte. Et là, il y a Dieu a vu, enfin Dieu, ou plutôt Satan, a vu ma situation et a dit, on va vous confiner pendant 2 mois et demi, les amis. Tout le monde à la maison. Je me suis donc retrouvée chez mon papa qui habite à la campagne, ma maison d'enfance. Je me suis retrouvée habiter avec mon père et mon frère pendant 2 mois, huis clos. Pas de sortie, je m'étais interdite de tout dérapage parce que je voulais absolument respecter le confinement et tout. Et donc je me suis dit là ma vie a été bloquée pendant 2 mois. Quoi qu'il arrive tu vas pas voir tes potes, tu vas pas aller à Paris à Pierre Paul Jacques, tu vas pas frauder les frontières et tout. Donc utilise ce temps libre que t'as devant toi plutôt que de pleurnicher pour d'être ça. En gros pour te reprendre en main. Je me suis dit utilise tout ce temps que t'as pour bien manger, faire du sport, faire des vidéos, faire des photos Instagram, lire des livres, te reposer, parler avec ta famille. Utilise ce temps pour glow up genre. Et c'est ce que j'ai fait. Non, en gros j'ai pas envie de m'avancer mais je suis quand même fière de moi. J'ai eu une déterre énorme. Donc 3 facteurs. Nourriture, sport, arrêt de la consommation d'alcool. Premièrement, nourriture. Je sais comment faire des bons plats et tout, j'ai toujours kiffé faire ça. En gros on se mettait d'accord, soit je mangeais toute seule le midi, soit on faisait les mêmes plats. Enfin, vu qu'on se disait quand même qu'on était les uns sur les autres pendant 2 mois, on gérait vachement nos choses de notre côté pour pas s'étouffer. Donc pendant un mois, je me faisais des petits déj tous les matins. Je vous mets des photos par ici. Sur Instagram, c'était la saga du confinement. J'ai été une petite déjeuneuse de folie. Des avocados toast, des porridge avec plein de fruits et tout, des lattés glacés. Le midi, souvent, je faisais des salades grecques, des salades, des tartes, des quiches. Enfin, midi et soir, en fait. J'avais une alimentation super variée, en plus. J'ai testé la pizza à base de chou-fleur. Enfin, j'ai testé plein de recettes comme ça, où je m'interdisais rien, mais je me penchais énormément vers les légumes, fruits. J'ai réduit quand même, il faut se dire, pas mal les féculents. Vraiment, je vous dis la vérité, ça, il y a des gens qui peuvent se dire, oula, scandale. J'en avais aucune envie parce qu'en fait, j'avais plus autant d'appétit que la période avant confinement. Parce qu'en fait, j'étais active, mais à 20% de ce que j'étais active dans la vie de tous les jours habituellement. Donc, obligatoirement, mon corps, il réclamait moins d'énergie. Et du coup, je me suis rendu compte que quand je petit déjeunais à 9h, bah, j'avais même pas faim à 13-14h. Du coup, je me suis dit que fallait que je trouve une alternative. Et donc, je me suis dit que j'allais tester le jeûne intermittent, qui est une technique que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Donc, non pas pour manger moins, mais parce que du coup, vu que j'arrivais moins à organiser mes repas dans la journée, parce que du coup, j'avais plus faim comme avant, je me suis dit, on va faire le jeûne intermittent 16-8, donc tu ne manges pas pendant 16 heures et tu manges pendant 8 heures, et donc tu regroupes tes repas dans les 8 heures. C'était plus simple pour moi de me dire ok, je déjeune, je goûte, je dîne, c'était plus logique pour m'alimenter comme ça pour moi. Donc j'ai testé ça pendant une semaine, j'aimais pas trop, j'avais plus d'énergie le matin, mon petit déj me manquait, je me disais est-ce que ça fait pas un peu comme sauter un repas. Et en fait au bout d'une semaine mon corps s'habituait et j'ai kiffé, j'en ai déjà parlé, je sais plus où j'en ai parlé d'ailleurs sur Insta je crois. J'ai senti beaucoup plus d'énergie, en effet maintenant le matin je peux ne pas manger et faire mon sport, aller faire des courses, machin, truc chouette, ça me pose aucun problème. Ça m'a aidé pour ma perte de poids même si c'était pas l'objectif principal, mais ça m'a aidé pour ma perte de poids, ça a accentué, ça a accéléré un peu ma perte de poids. Je me sentais beaucoup plus légère. Donc voilà, jeûne intermittent, j'ai adoré. Je vous mets des vidéos en barre d'infos qui peuvent vous expliquer vraiment correctement ce que ça apporte, les bienfaits. Il y a plein de bienfaits qui sont reconnus. Voilà, je vous laisse aller voir sur Instagram ma story à la une food. Je vous montrerai tout ce que je mangeais et franchement, c'était grave varié. J'ai pas été au resto pendant 2 mois. J'ai pas mangé de McDo pendant 2 mois. Donc c'est des trucs de la vie de tous les jours qui sont plus difficiles à couper et que du coup, j'ai coupé directement, qui m'ont aidé. Parce que bah quand tu te fais manger toi-même, tu vois tout ce que tu mets dans ton plat, tu vois les graisses que tu mets, tu vois les bons nutriments que tu mets. C'est pas comme les sauces, les trucs comme ça que t'as dans les restos, même si tu prends des plats qui ont l'air sains. Le fait qu'on soit confiné et que du coup je sois coupée de toute tentation extérieure, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'amène à mon deuxième facteur perte, entre guillemets, c'est l'arrêt de l'alcool. Je buvais beaucoup mes calories plus que je ne les mangeais. Et on a été confiné. Pendant 2 semaines, je buvais une DSP, un verre de vin avec mon père. Et en fait, je me suis habituée à être dans une routine tellement chill, tellement je faisais mon sport, je mangeais bien, j'allais me coucher tôt, j'étais productive sur mes réseaux et tout, je travaillais bien, je sais pas, j'étais tellement dans une routine saine que j'avais plus du tout envie de boire. Aussi parce que j'étais pas dans des contextes où j'étais en terrasse avec mes potes, où j'étais en soirée et tout. Naturellement, j'ai arrêté de boire des verres parce que j'en avais plus envie. Et du coup, pendant un mois entier, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Je pense que ça a aussi fortement dynamisé mon changement de style de vie parce que bah, je passais un peu du tout au tout en somme. Mon troisième facteur changement, le troisième truc qui m'a vraiment qui m'a régalé, les vidéos de sport sur YouTube. Ça a changé ma vie, ça a changé mon
rapport au sport, ça a tout changé vraiment. Chloé Ting, si je la rencontrais demain, je pense que je lui offrirais 100 000 euros. Parce que du coup je me suis dit j'ai envie de faire du sport. En même temps moi j'aime pas trop courir, je m'ennuie très vite. Et puis dans une maison, bah t'as vite fait le tour quoi. J'ai pas de tapis de course, j'ai pas de vélo elliptique, j'ai rien du tout. Vous m'avez conseillé, c'est vous d'ailleurs qui m'avez conseillé, les vidéos de Pamela Ref et de Chloé Ting. En 2-3 semaines, je me suis mis dans une routine où pendant du coup 1 mois et demi, 2 mois, je faisais 5 fois par semaine, de 1 demi-heure à 45 minutes de vidéos. Donc je suivais des programmes, je voulais me suivre en barre d'infos, je faisais des trucs variés, je me faisais souvent genre une vidéo HIIT pour faire tout le corps, une vidéo fesses, une vidéo abdos, une vidéo bras. J'ai découvert que le sport de cette façon là, c'était plus un jeu entre gros guillemets. Ça me faisait du bien en plus parce que j'étais chez moi toute la journée, donc je pétais les plombs littéralement. Il y a des moments où j'avais des bouffées où je supportais plus mon père, mon frère, ma maison. Et du coup de faire 1 demi-heure 45 minutes de sport comme ça un peu intense, ça me faisait énormément de bien et je me sentais apaisée après. Du coup le sport au fur et à mesure je rajoutais, je mettais des niveaux un peu plus compliqués. J'allais courir 10-15 minutes avant ou j'allais marcher 1 demi-heure après. Et j'étais satisfaite, j'étais bien. En fait c'était une spirale. Une spirale 1. Comment on dit? Une spirale bénéfique? Bon bref, j'avais du coup en plus pris des photos au tout début du confinement, de face, de profil, de dos, de mon visage. Et toutes les semaines je reprenais une photo dans la même tenue, dans les mêmes positions. Et du coup j'ai vu une évolution au fur et à mesure, tellement satisfaisant en gros. Et on est arrivé du coup une semaine avant le déconfinement où j'ai fait le point et je me suis dit bah... C'est un sentiment qui est tellement satisfaisant de se dire franchement j'ai fait des efforts, j'ai fait ce qui était bon pour moi et ça a marché et je suis fière de moi. Vraiment que ce soit pour votre santé, votre corps, pour votre travail, pour votre vie personnelle, si c'est un objectif qui semble un peu compliqué à atteindre, c'est compliqué, c'est facile à dire mais plus compliqué à faire. Mais il faut tellement s'accrocher quand on a du mal et quand ça nous saoule et tout, quand ça semble trop gros, parce qu'à l'arrivée la sensation de satisfaction elle est tellement agréable que ça vaut tous les efforts et tous les, comment on dit, toutes les, je parle plus français, toutes les concessions et tout quoi. Donc voilà, on arrive au déconfinement, donc le regard de mes amis, de ma famille, tout ça me faisait vraiment plaisir. Au déconfinement j'étais très stressée parce que je me disais je vais reprendre ma vie. Il n'y avait pas encore les restos, les bars ouverts et tout. Mais bon, automatiquement bah, je vais retrouver des mauvaises habitudes, notamment par rapport aux soirées et tout. Et j'ai peur de perdre tous mes efforts, d'avoir la flemme, machin. Ça m'a tellement fait du bien ces 2 mois. J'ai pas du tout envie de replonger comme dans les habitudes alimentaires ou de sport que j'avais avant. Parce que vu ce que ça m'apporte, j'ai aucun intérêt à arrêter quoi. Sur le sport, j'ai décidé de passer à 3 ou 4 fois par semaine. Et plus 5 fois parce que 5 fois ça devenait vraiment compliqué à suivre. J'ai trouvé un appartement, je suis venue habiter en ville, je suis retournée à la salle. Et du coup comment ça s'est passé cet été, j'avais des périodes de genre 1 ou 2 semaines où j'allais au sport 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine. Et de 1 semaine où je partais en vacances, donc j'y allais pas du tout. Je faisais le 5-12-30 dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram. Donc en gros vitesse 5 km/h, inclinaison 12% pendant 30 minutes. Et un cardio qui marche de ouf, ça dessine les jambes, ça fait transpirer, c'est super. Sinon je faisais 1 demi-heure d'elliptique, 5-10 minutes d'escalier, 10 minutes de muscu, donc abdos, gainage. J'ai profité de l'été, franchement j'ai profité de l'été, je vais pas vous mentir, je me suis fait kiffer. Je me suis pesée en début juin et je me suis repesée fin juillet et j'avais perdu 4 kilos. Donc en gros mon rythme d'été je le tenais super bien, je profitais mais en même temps je faisais du sport. Par exemple mes potes ils commandaient un McDo, moi j'allais manger un taboulé, des carottes râpées et tout. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire. J'ai été comme ça et j'ai souri gentiment et j'ai perdu 15 kilos. En gros, ça s'est pas passé comme ça. J'ai essayé au mieux, mais de toute façon, ça vous le savez, enfin, de plus en plus on le sait, de trouver un juste milieu qui vous convient et qui convient à votre corps. En août, septembre, je suis restée stable. Ça m'a fait du bien de kiffer pendant 1-2 mois d'été. Et puis là, ça me fait trop plaisir de revenir à mon style de vie qui me satisfait et qui me fait me sentir vraiment très bien. J'ai ralenti le jeûne intermittent dès juin, c'est quand même un rythme qui est compliqué à avoir quand on a une vie sociale. Là je vais le reprendre pendant tout le mois d'octobre parce que vous allez le voir dans une vidéo qui sortira fin octobre. Mais pendant tout le mois d'octobre je fais le sober October. Donc je ne bois pas d'alcool pour me recentrer, me reconcentrer, arrêter les excès et reprendre tout ça en main. Je suis certainement pas arrivée au bout, il me reste beaucoup de travail, il me reste beaucoup d'apprentissage. J'ai perdu je pense quand même 10-15 kilos, je vous recommande juste de faire des trucs qui vous font vous sentir bien. Mais sans jamais aller dans les extrêmes. Désolée, je me suis absentée 5 minutes, j'avais peur d'oublier des trucs. Mais je crois que j'ai quand même oublié des trucs. Mais bref, je vous dis juste où j'en suis actuellement. Là actuellement je vais au sport 3 fois par semaine, c'est mon objectif. J'ai une séance par semaine avec Cassius, qui est un coach privé que Laure et moi on a toutes les deux. C'est une salle de sport dans le premier à Lyon et ils font des coachings privés. Donc nous on a un coaching privé une fois par semaine. On fait du cardio, de la muscu et de la boxe. Et je vais du coup normalement 2 fois à la salle de sport pour faire du cardio.
Sauf que la salle est fermée actuellement, donc je vais reprendre Chloé Ting et Pamela et toute la clique. Je mange très sainement 80% du temps, je me fais des kiffs 20% du temps. Je vous laisse venir sur mon Instagram pour voir mon quotidien. Si vous avez besoin d'inspiration sur des plats, il y en a plein. Si vous avez besoin d'inspiration sur des séances de sport, il y en a plein. J'espère que j'ai été assez complète. Si vous avez des questions, bah, les commentaires plus que jamais sont faits pour ça, je vous y répondrai avec grand plaisir. J'ai pas de recette miracle, de toute façon vous le savez, vous savez ce que c'est la recette, c'est sport, alimentation et voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Et détermination et patience, 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 patience. Rome n'est pas venu à César en deux jours, je dis que des expressions de merde, hein. J'invente que des trucs. Là je me sens bien à 85%, mon but c'est de me sentir bien à 100%, donc keep going. Mentalement et physiquement, on va continuer à travailler sur ça. Merci, merci, merci pour votre soutien dans ce voyage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.